レオ体操第一よーい全力疾走いきなり走んのかよおい待てよおいもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Adrien. Bonjour Adrien. Salut. Donc Adrien, tu nous livres là un deuxième Superplay sur Mushi Mesama. Donc ouais. Que s'est-il passé par rapport à l'ancien ? Bon, donc en effet, c'est toujours le même jeu. Mais en fait, la façon de jouer est différente. La première fois, j'avais donc présenté du scoring en un seul joueur. Et là maintenant, je présente en fait de la survie, mais en double play, comme on dit. En fait, ça consiste donc à jouer deux vaisseaux, mais tout seul. Donc, un joystick dans chaque main. Là, tu diriges les deux personnages. Exactement. Les deux joueurs. Donc, au départ, ça demande un tout petit peu de technique de placement, surtout pour bien positionner ses mains. Le placement physique. Voilà. Tu joues toujours sur borne. Exactement, parce que enfin, c'est difficile autrement. Après ça, il faut aussi dire qu'on a les doigts un peu courts pour aller tapoter sur les boutons autres que le A. Donc, la bombe. On y peut, mais c'est difficile, et le bouton C, c'est même pas la peine d'y penser, c'est trop loin. Donc en fait, on est obligé de maintenir en permanence, ce qui fait qu'on est en laser, donc on se déplace très lentement. Donc il faut s'adapter en fonction des situations. D'accord. Voilà, donc ça reste vraiment une autre façon de jouer. Il faut réussir à nettement séparer son cerveau en deux, hein, c'est... comment dire... enfin, gérer les deux personnages en même temps, c'est chaud. Ok, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée ce grenu de faire un super play comme ça? Parce qu'en effet, c'est pas... parce qu'en fait, c'est au Japon. J'ai vu une première fois, c'était lors du location test de Raiden 4, si mes souvenirs sont bons, j'avais vu un mec arriver et mettre deux pièces et jouer comme ça. Il avait fini déjà les trois premiers niveaux du premier coup, j'avais été assez impressionné. Et ce qui m'a vraiment motivé à m'y mettre, en fait, c'est cet été, encore une fois, au Japon. J'ai vu comme un mec finir Dodonpachi Daiojo, les deux loups plus le True Last Boss avec les deux players. C'est carrément impressionnant quoi. Après avoir vu ça, on est blasé. Hein. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je vais voir. Et donc pourquoi ce jeu-là en particulier par rapport à un autre? Bon, déjà je le connais bien puisque donc je l'ai un peu squatté en un joueur. Ouais. Mais surtout donc, ce qui fait qu'il est. Je me suis dit c'est lui que j'arriverai en premier. Déjà, c'est le masque de collision, donc minuscule. Là, vous l'avez vu au boss du premier niveau, là, je suis passé un moment complètement à l'arrache. C'est parce que ce masque de collision est tout petit à cause du mode ultra, en fait. Le masque de collision a la même taille dans tous les modes. Donc, ça. L'ultra, c'est le mode où il y a le plus de. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup plus de boulettes. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient fait un masque de collision très petit, mais ils l'ont laissé aussi pour les modes où il y en a moins. Ouais. Chose qui a été corrigée pour le Futari, où le masque de collision change en fonction des modes. Donc ça c'est bien. Donc déjà ça, et puis aussi le fait que les boss soient très peu résistants aux bombes. Donc ça aide. Ah, et aussi un troisième point que j'allais oublier, les extends sont facilement atteignables. Je veux dire par là, suffit de prendre donc le W power que j'ai là, qui arrose énormément, donc on touche beaucoup, donc on fait beaucoup de hits. Et donc sans chercher à scorer, juste en jouant normalement, j'aurai tous mes extends au stage 5. Donc c'est vraiment... voilà, je me suis dit, c'est lui que j'arriverai en premier. D'accord. Et donc, niveau score, ça se passe comment à deux joueurs? Parce qu'il y a des compteurs de hits, il y a des combos et tout comme ça. Ça se gère comment au niveau des deux joueurs? Bon, alors en fait, pour faire simple, il y en a un qui fait monter son compteur. Et si il vient toucher l'ennemi, enfin, si les deux joueurs touchent un ennemi en commun, en fait, la valeur des compteurs des joueurs va prendre la valeur de compteur la plus haute. C'est-à-dire, par exemple, tu peux laisser un joueur qui ne tire pas, tu fais monter le compteur avec l'autre, et tu commences à tirer, et tu vas prendre la valeur du compteur de l'autre. D'accord.
ou inversement, t'en as un qui a 11 000, l'autre il a 5 000, vite fait tu les fais toucher le même ennemi, ils vont tous les deux passer à 11 000. Donc en effet, on peut scorer, mais honnêtement, voilà, on est plus préoccupé à survivre qu'à scorer. Hein. Et encore une fois, comme je le dis, sans vraiment penser au score, on a donc les extends déjà au stage 3, et puis au 5e, on a le deuxième extend. D'accord. Donc bien sûr, tout à l'heure aussi, à un moment, j'ai arrêté de tirer pour esquiver. C'est parce qu'en fait, le pattern est trop rapide pour que je puisse le passer en laser. Je suis obligé de maintenir sur le demi-boss du 2. Niveau 2. Voilà. Je ne peux pas le faire en maintenant, en tirant en même temps. C'est pas possible. D'accord. Donc en fait, j'ai arrêté de tirer et j'ai esquivé. Pareil, donc quand je suis vraiment dans la galère et que je dois me déplacer vite, bah, j'arrête de tirer. Enfin, je tapote très vite tout en me déplaçant. Ouais. Et... Donc ça, c'est un placement de main assez... Ouais. Assez... particulier quand même, vraiment, par rapport à ce qu'on a l'habitude de... Ouais. À la limite, la main droite, ça se fait avec celui-là ou celui-là, ouais. Mais honnêtement, la main gauche, vu que tu tiens le stick là, aller tapoter avec ton pouce, c'est galère. Et puis les bombes aussi, parce que j'utilise beaucoup plus instinctivement la bombe pour le deuxième player, avec les doigts là, plutôt qu'aller chercher la bombe avec le pouce du player 1. D'accord, donc tu gères tes bombes différemment selon le joueur que tu utilises là. En fait, j'essaye d'utiliser également bien, enfin comment dire, de gérer mon stock de bombes en fait. D'accord. Là, ma survie, là, ma partie, en fait, elle dépend entièrement de ma gestion, donc de stock de vie et de stock de bombes. Il ne faut pas que je perde de vie alors que je n'ai pas utilisé de bombes, c'est du gâchis. Oui. Là, vu que c'est de la survie, j'utilise. Hein. Donc, quand j'ai plus de bombes, bah, je me suicide. Je me suicide pour récupérer des bombes. D'accord. Que gestion de ça. Et donc, jusqu'au stage 3, pas besoin de beaucoup de bombes. À partir du boss, là, ça devient tendu et stage 4 et compagnie, c'est bombe dès que j'ai un souci. D'accord, donc en gros, t'as bossé un peu les trois premiers niveaux pour faire quelque chose de propre. Voilà. Et tu survis et tu survis encore. Ouais. Encore plus. En fait, j'ai vraiment bossé mes trois premiers stages. Bah, comme d'hab, hein, sur Borne, c'est beaucoup plus simple de bosser les trois premiers stages que les deux derniers. Mmh. C'est toujours comme ça. Et donc là, le stage 4 et 5, bah, j'ai un chemin, bien sûr, mais c'est très souvent impro. Hein. Je rentre une fois sur 10, je rentre pas dedans, etc. Donc je lâche une bombe. Ah, tiens, là, il y en a un nouveau qui s'est ouvert. Allez, j'y vais. C'est vraiment, ouais, improvisation à partir du 4. D'accord, t'as un chemin qui est complètement différent du chemin à un joueur. Ouais. C'est clair que ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Comment ça se passe d'ailleurs au niveau des patterns? Là, on voit les patterns vont tous vers le deuxième joueur. Mmh. Pourquoi le premier est épargné? Ça dépend donc, en effet. Il y a certains patterns qui vont prendre en chasse qu'un seul player. Donc là, vu qu'il avait pris sud-droite, bah, sud-gauche, pas besoin de le bouger. Hein, ouais. Sans le roi était. Et des fois, ça alterne. Donc ce qui... il faut en effet jouer comme ça et bien orienter les patterns. Mmh. Parce que quand il y a un joueur, normalement, tout va vers toi, donc ça converge. Mmh. Et là, vu que tu es à deux, si tu te débrouilles bien, tu peux faire en sorte que les tirs s'éloignent un peu et créer des nouveaux passages. Donc en fait, c'est vraiment une façon de jouer très intéressante, la double play. Vraiment. Sinon, il faut aussi donc signaler que vu qu'on est à deux joueurs, on a deux fois plus d'étendue de tir, donc on touche donc beaucoup plus, deux fois plus de puissance de tir, donc les boss, ils dégagent bien rapidement. D'accord. Donc ça, c'est des avantages non négligeables, deux fois plus de bombes aussi, mais aussi un autre avantage surtout qui se voit sur ce jeu-là, et notamment stage 3, c'est qu'on fait beaucoup plus ramer le jeu. Oui, puisque nos tirs, en soi, ils demandent beaucoup de... comment dire, de puissance, de calcul, et le jeu, il suit pas. Ouais. Donc là, honnêtement, ça rame un point phénoménal. Ça me permet de passer tranquillement, alors que si j'étais tout seul, ça irait beaucoup plus vite. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de boulettes, là, mais... Ah ouais, rien qu'afficher 2 W Power, ça... Ouais. Ça met la carte à genoux. Ouais. Donc faut en tirer profit. Hein. Mmh. Oui, mais il y a pas mal de jeux, dont celui-là, expliquer ça la dernière fois, où tu joues vraiment beaucoup sur les moments de rame. Voilà. Encore une fois, donc il faut faire attention quand ça réaccélère. Voilà. Cela, on se fait très souvent surprendre. Et donc, à deux joueurs, tu avais une meilleure connaissance de ces accélérations, ces ralentissements Vu qu'elle n'était pas au même endroit qu'en single, ah ouais. Ça m'a pas... Non, pas vraiment, en fait.
Bien sûr, ce qui m'a aidé, c'est de savoir qu'à tel endroit il y a tel ennemi, à peu près la forme des patterns, tout ça, mais non, c'est vraiment deux façons de jouer différentes, et puis tu trouves ton chemin. Ouais. À force de jouer, tiens, ça passe là, ça passe pas là. J'ai appris à combien de reprises pour réussir à terminer le jeu déjà? C'est une bonne question. Je dirais pas plus d'un mois. Non, même moins, franchement, beaucoup moins. Je saurais pas te sortir de nombre d'heures, quoi que ce soit, mais je dirais, allez, une centaine de crédits, à tout péter. À tout péter. C'est quand même énorme. Oh, c'est pas beaucoup, franchement, quand on veut scorer un jeu, on y passe normalement beaucoup plus de temps. D'accord. Moi, je trouve que c'est honnêtement assez rapide, mais bon, après, voilà, si tu veux scorer en double play, là, j'avoue que ça n'a plus rien à voir. Déjà, honnêtement, scorer le jeu tout seul, c'est très dur. Après, au-dessus, tu as donc survivre en double play, qui est encore plus dur. Et après, tu as scoré en double play, c'est vraiment immonde. Complètement immonde. Donc là, je vais récupérer l'extinct caché que je vais donner au deuxième joueur, parce qu'en fait, je suscite plus facilement deuxième joueur. Puisque vu que j'utilise plus facilement les bombes de ce joueur-là, c'est lui que je vais sacrifier le plus rapidement. Et en plus, je le précise tout de suite, il y a, entre guillemets, je ne vais pas dire un bug, mais ça n'a pas en fait été prévu pour jouer à deux, ce jeu-là. Ce qui fait qu'en fait, là, on met deux pièces pour jouer, et ensuite on appuie donc soit sur le player 1 start ou player 2 start. Ouais. Et par exemple, donc, si j'appuie sur le player 2 start en deuxième, et ben, ce joueur-là sera considéré comme avoir mis un continu. C'est stupide, mais c'est comme ça. Et donc, s'il me reste des vies à ce player 2 à la fin, je n'aurai pas de points bonus pour ces vies. Donc il vaut mieux que je finisse avec 0 vie avec le player 2 et le plus possible en réserve sur le player 1 pour avoir donc les 10 millions bonus pour chaque vie. D'accord. Voilà, je m'en suis rendu compte la première fois que je l'ai fini, ça. Bon, maintenant je le sais. Oui, ça fait mal. Donc là, on a vu, pareil, dans la série des trucs qui ne sont pas spécialement super prévus en deux joueurs, l'extinct du niveau 3, qui est réputé... comme apparaissant que quand on termine toutes les parties du boss sans bomber. C'est ce que je croyais. Et j'avoue que là, en fait, on peut bomber et l'avoir. J'ai jamais vérifié en un seul player, en fait. Connaissant les caves, classiquement, il faut détruire toutes les sous-parties du boss sans bomber et le tuer. Normalement, c'est ça. Et j'avoue que j'en étais persuadé. Et en double play, je me suis rendu compte que non. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je fasse le test un jour en single pour constater. Je sais pas. Je ne sais pas. L'esquive commence à devenir assez compliqué, non? Ça dépend. Voilà, là par exemple, je voulais suicider. Je voulais suicider mon perso 2, donc j'ai foncé en haut. Mais le problème, c'est que j'ai fait le boulet et que j'ai pas. Enfin voilà, je me suis crashé avec mon perso 1, donc j'ai perdu une vie vraiment bêtement. Et là, je vais encore en perdre une parce que là, j'ai voulu jouer le héros comme ce pattern, il est assez chaud. Ça aurait pu passer, mais ce n'est pas passé. Donc c'est vraiment ballot, quoi. Il aurait suffi d'une bombe, mais bon. C'est comme ça, de toute façon, le niveau 4, hein, je l'ai toujours pas trop aimé et je fais très souvent des erreurs. C'est toujours sur lui qu'il m'arrive quelque chose. Et des moments en double play où tu t'amuses plus qu'en un joueur? Tu veux bien me poser la question, en effet, là, dans très peu de temps, c'est vraiment le passage le plus jouissif du jeu. Parce que tu as la sorte de gros serpent ou de dragon, là, je sais pas. Ouais. Très long, etc. Normalement, voilà, le premier. En tout seul, c'est très dur, honnêtement, de tuer toutes les parties, toutes les sous-parties de ces ennemis-là. Ouais. Alors qu'en double, j'en mets un de chaque côté, et chacun gère son serpent, en fait. Et c'est vraiment... C'est unique comme sensation, je veux dire, c'est excellent. Comme t'as beaucoup plus de puissance, t'as l'impression de dominer le jeu. Déjà, et en plus, là, je peux enfin tout avoir. Chose qu'on ne peut quasiment pas faire, honnêtement, tout seul. C'est génial. C'est vraiment génial. Ça fait partie des petits avantages de la double play. C'est vrai que la puissance supplémentaire et le fait de pouvoir placer ses persos à deux endroits, c'est vraiment une autre façon de jouer.
D'ailleurs, il y a très peu de gens, honnêtement, qui jouent en double play. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai voulu montrer ça. C'est même si en soi, honnêtement, la vidéo en elle-même, elle n'est pas extraordinaire. C'est de la survie pure. Il y a des passages de boules intenses. Vraiment, on en faut le dire. C'est bon, c'est ce que c'est. Le hall est là. C'est ce que je recherchais. Mais maintenant, même au Japon, très peu de gens qui jouent en double play. Hein. Je t'ai dit, j'ai vu deux personnes en faire. Ça reste vraiment une façon de jouer très très peu développée. C'est vrai qu'il y a déjà tellement à faire en single play que... c'est bon. Mais vu que ça n'a rien à voir en fait, moi je dis honnêtement aux gens, essayez même si ça paraît impossible au départ. Et franchement, au départ on n'y arrive pas déjà à positionner ses mains, après il faut réussir donc à bien dire... Enfin, je vais pas dire couper son cerveau en deux, mais en fait j'y arrive pas. Hein. J'arrive pas vraiment à gérer indépendamment chaque vaisseau. En fait je fais que des allers-retours sans arrêt. Et gérer en même temps les deux persos dans des esquives très serrées, j'y arrive pas. D'accord. Donc la plupart du temps, tu regardes où en fait Je regarde en fait le centre de l'écran comme d'hab. Je vais dire que je louche entre guillemets, mais dans les passages très serrés, je vais regarder plus spécialement celui qui est dans la galère en fait. Mm-hmm. Et si à ce moment-là, donc la seconde où je prends pas attention au perso 2, c'est toujours là où il va y avoir une boulette qui va arriver et me le tuer. Donc il faut vraiment éviter ça. Donc en fait, tes yeux font des allers-retours entre les deux personnages sans arrêt. Temps. Sans arrêt. Ah ouais, ça peut être extrêmement fatigant en fait. Oui, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Ouais. Il fait même plus gaffe. Même plus gaffe, mais bon. C'est vrai que plus on y joue, meilleur on devient. Au départ, c'est clair qu'on n'y arrive pas du tout. Il y a vraiment de la maîtrise à acquérir en double play. Ouais. Et après, ça se garde sur tous les jeux. Hein. Maintenant, je veux dire, je prends n'importe quel jeu... ce que j'ai acquis là, je l'ai sur les autres aussi. Mmh. C'est clair. Donc là, voilà, là, j'arrive au stage 5 tout nu. C'est assez tendu, j'ai plus de bombes, plus rien. Et ça canarde sévère, mais bon, encore une fois, ça rame bien. Ouais. Ça saccade. Ah oui, là, les esquives sont assez sympathiques. Ouais. Mais bon, encore une fois, vu que j'ai deux persos, les ennemis durent moins longtemps, donc ils ont moins le temps de tirer aussi. Mmh. Mais le fait d'avoir deux persos à gérer, honnêtement, ça multiplie vraiment la difficulté par beaucoup plus que ça, en fait. Beaucoup plus. Au départ, en fait, il y a aussi une technique pour commencer à jouer en double play, notamment sur les boss, qui consiste en fait à superposer ces deux persos les uns sur les autres, mais exactement pour que le masque de collision soit l'un sur l'autre et à faire des mouvements pareil, symétriques pour quand le perso bouge de la même façon et n'avoir qu'une seule chose à gérer. C'est ce que je faisais au début et c'est vrai que ça aide pour certains patterns. Mais maintenant, je déconseille de vraiment ne se fier qu'à ça parce que c'est pas facile de vraiment faire exactement le même mouvement. Ouais. Et au bout d'un moment, forcément, tu vas avoir un perso qui va se décaler par rapport à l'autre. D'accord. Et si c'est dans le mauvais sens, je veux dire, si le perso de droite passe à gauche, ouais. Là, le cerveau, il gère. Enfin, moi, personnellement, je gère plus et c'est fini, quoi. Je vais faire les mouvements inverses de ce qu'il faut faire et c'est fini. Parce que là, le deuxième joueur est tout en droite, tout le premier tout en gauche. Tout le temps, en fait, voilà. Ça séparait l'écran en deux. Voilà, exactement. Une partie du cerveau à la partie droite et l'autre à la partie gauche. Parce que pour les boss, en fait, l'intérêt, c'est que le boss, il a un pattern qui vient juste de lui. Enfin, ça vient pas de tous les côtés. Ouais. Donc, tu sais que le pattern va s'orienter. Oui. À partir d'un point fixe. Et honnêtement, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir qu'un seul truc à gérer pour les boss parce que le pattern, tu le connais et donc si tu arrives à faire la même chose en single, bah, enfin, il y aura la même forme. Quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile, mais honnêtement, j'ai lâché l'affaire. Enfin, ça dépend de quel moment. Mm-hmm. Mais tout faire l'un sur l'autre, j'y arrive pas. Ça demande vraiment trop de précision et encore une fois, voilà, l'erreur pardonne pas. Si tu te décales, c'est fini. Parce que c'est millimétré déjà à un joueur. À deux, tu t'augmentes les risques. Carrément. Voilà, là encore une fois, là, je fais exprès de me suicider pour récupérer un petit stock de bombes. Donc lui, tu l'expédies le plus vite possible. Ah là, depuis le boss du 3, dès qu'il y a un demi-boss ou un boss, j'expédie. Et pareil, dès que j'ai un souci, je bombe. Là, je joue vraiment pas le héros, c'est gestion de bombes. Et il faut que j'arrive au boss avec un petit stock de vie et de bombes pour pouvoir l'achever, quoi. Après, je suis sûr qu'honnêtement, voilà, les bons joueurs de double play, ils finissent ça sans souci, sans bomber. Enfin, je pense que ça doit être faisable, parce qu'ils sont vraiment très bons. Mais c'est chaud.
Déjà, je suis déjà bien content de mon rôle. Ça a été mon premier en double play. J'ai pas réussi à en ressortir sur d'autres jeux. Mais pas encore. Pas encore. Mais bon, c'est du sport, quoi. Déjà, le fait de bien connaître les patterns, ça doit t'aider. Tu sais que même sans regarder tel joueur, le joueur 2 par exemple, sans le regarder, tu sais qu'à tel moment, il peut être tranquille ou pas. Oui, voilà. Bon, ça, mais encore une fois, c'est parce que je les joue en double play. Mais passer de un player à deux, les patterns vont vraiment avoir des gueules différentes vu que souvent, ils orientent sur le joueur et donc D'accord. Ils vont les séparer, etc. Donc, ça peut vraiment fausser les repères. Mais par contre, voilà, savoir à quel moment arrive tel ennemi, ça aide. Alors ça, c'est évident que ça aide. Et comme ça, tu places ton joueur à tel endroit pour qu'il la batte le plus vite possible, pour qu'il ait moins de temps de tirer. Ça aide vraiment. Là, j'ai voulu me suicider pour la petite anecdote, hein, mais je n'ai pas réussi. C'est assez frustrant quand, pour une fois, on veut se suicider dans un jeu et qu'on passe au travers de l'ennemi. Surtout un jeu où il y a autant de projectiles. Voilà, non, c'est encore une fois le masque de collision microscopique, quoi. Des fois, c'est abusé tellement on passe au milieu de trucs impossibles. Mais... C'est vrai que là, c'était assez. Ah ouais. Je voulais me tuer, mais non, je n'y arrivais pas. Ouais. Ça, c'est bien qu'il est corrigé dans la suite. Le Futali, c'est sympa. Ouais. Le Futali, c'est Shinimesama 2. Voilà. C'est un jeu complètement différent. Oui, enfin l'ambiance c'est à peu près la même, sauf que c'est vrai qu'il n'y a plus trop de cohérence entre les mondes, puisque maintenant tu as donc des dinosaures, tu vas sur la banquise, tout ça, mais grosso modo c'est le même principe, sauf le système de scoring bien sûr qui a complètement changé. Ah oui. Complètement, il y a un mode encore original, maniaque et ultra, qui est vraiment abusé. Et puis là sur le Black Label, ils ont sorti un mode God, très sympa. Très très sympa. Donc là, pareil, dès que j'ai plus de bombes, je me suicide pour en récupérer. Donc en fait, t'attends pas les patterns. Je les attends même pas. Dès que tu vois des boulettes, tu bombes. Parce qu'en fait, si je commence à l'esquiver, je vais forcément, en fait, au bout d'un moment, perdre une vie et très souvent, je vais perdre l'autre vie en même temps. Ah, oui. C'est systématique. Et donc ça, c'est un gâchis, mais monumental, quoi. Oui. Donc tant que je maîtrise pas parfaitement un pattern, je refuse de le passer, et surtout le boss, quoi, le boss final, voilà, quoi. J'ai le nombre de vies suffisant, je bombe et puis je le passe. Quoi. C'est encore une fois, je le redis, mais c'est gestion stock de bombes et d'ennemis. Déjà là, il y a un haul et après, c'est améliorable. Ouais, parce qu'au niveau du score, il y a moyen, déjà en détruisant tous les ennemis et en pouvant, en augmentant les multiplicateurs des deux personnages. Voilà. En parallèle. Même sans skyrocketer, parce que mon skyrocketer en double page, je crois pas, non, ouais. c'est vraiment impossible. Il faut atteindre le bouton C. Voilà, non, faut pas rêver. Mais par contre, c'est vrai que bien gérer celui qui a le compteur le plus haut, vite le récupérer pour le deuxième, économiser donc les ennemis pour tuer le plus d'ennemis possible avec un compteur élevé, tu peux faire sûrement beaucoup plus que ça. Et encore une fois, si tu fais du One Life, vu que tu vas avoir 10 millions par vie bonus pour le P1 seulement, tu peux quand même faire un joli score sur le P1. Mmh. Très joli. Non, c'est quand même impressionnant. Ouais, bah voilà, je voulais le montrer que c'est possible en fait. Parce que moi aussi, je pense que si on me l'avait dit il y a longtemps, j'aurais pas forcément cru. Voilà, mais l'avoir vu en Game Center et tout, je me suis dit, c'est des violents quand même. Je vais m'y mettre. Ça fait envie. Ouais. Surtout, je sais pas si tu connais, mais Dadanpachi Daiojo, je connais. Avec le trou Last Boss quand même, Hibachi, c'était terrifiant quoi. Avec les deux joueurs, il a terminé. Ouais, bah encore une fois, bah là, je pense qu'il avait fait One Life jusque-là, et là encore, gestion de stock de bombes et de vie. Et c'est bluffant quoi. Déjà, à un joueur, c'est impressionnant les mecs qui battent Hibachi. Oui. Et là, à deux joueurs, et comme d'hab, le mec il se lève, il s'en va. Je pose même pas mon nom. Genre trop facile. J'aime beaucoup. Donc
tu as prévu de refaire la même chose sur Dedans Petit Dayojo Je m'entraîne un peu, non, mais c'est un très bon entraînement. Je me suis beaucoup entraîné sur le Dayojo Black Label. Excellent, hein. Les patterns sont passables, durs, mais passables. Et en double play, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, ça n'a rien à voir c'est avec le chi. C'est un niveau au-dessus. Ouais. Voilà, c'est vraiment au niveau au-dessus. Honnêtement, voilà, j'arrive jusqu'au niveau 4, mais après, c'est fini. Quoi. C'est même pas la peine d'espérer. Mais bon, à force de jouer, je pense que je devrais augmenter un peu mes skills. Et j'espère auler d'autres jeux en double play que celui-là. Ouais. J'espère. Ok. Bon, eh bien, une prochaine sur un. Sur j'espère un autre, aussi. Un Kev, j'imagine. Oh, il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances. Ok. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup, Adrien. De rien.